Ciao, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. J'espère que tout le monde va bien aujourd'hui et je pense que ça va vous faire plaisir ce qu'on va voir aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, on va parler de Isshin. Alors bravo Isshin tout d'abord parce que grosse évolution chez Isshin. Vous le voyez, vous le sentez, à chaque fois ils nous sortent un nouveau produit et plus ça va, j'ai envie de dire, plus les produits sont bons, que ce soit les lunettes, les EV200D, que ce soit le trashcan qui est vraiment un bon petit whoop. Plus ça va, plus on évolue, plus le matos c'est bon. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du Wizard X220HV. Le voici, le voilà, préparé, prêt à voler. D'ailleurs, il a déjà volé. J'ai déjà fait à peu près, j'ai fait 5 batteries. C'est pas à peu près, c'est 5 batteries. 6 batteries. 4S et 2 5S. J'ai pas encore reçu la 6S. Alors, écoutez, on va parler de ce petit engin. C'est pas un petit engin, hein, c'est quand même un beau bébé. Déjà, il a vraiment une belle finition. Il a un châssis hyper rigide, hyper costaud. Donc ça doit pas casser comme ça. Moi, je suis tombé qu'une fois et encore, c'était dans une espèce de broussaille, donc je suis pas tombé sur du bitume. Mais bref, celui-là est vraiment costaud, vraiment bien fait au niveau de la conception. On va en parler ensemble parce que il y en a pas mal qui ont eu des petits soucis avec ce Isshin, ce petit X220HV haut voltage ou haute voltige, je ne sais pas. Mais donc voilà, il est prévu pour tourner en 6S, mais apparemment pas mal ont eu des soucis avec la 6S justement, que ce soit juste au décollage ou pendant le vol, il y a eu pas mal de dead roll, voilà, les rolls de la mort qui tuent. On avait vu ça avec le Dark Max. Bon, alors là c'est beaucoup moins, c'est sûr, parce qu'il y en a certains, il leur faut 25 batteries ou 40 batteries pour avoir 3 ou 4 dead roll, donc c'est pas non plus hyper régulier. Et d'ailleurs, c'est super chiant quand c'est pas régulier pour trouver la panne. Bref, moi j'ai pas eu ce problème là. Donc je vais vous en parler tout de suite et on va tout d'abord voir ce qui est fourni avec. Donc avec, vous avez une belle boîte. Alors vous aurez déjà... on va étudier chaque matériel qui est vendu avec, parce que franchement, ils se sont pas foutus de nous. Suis-je bête? Vous voulez les résultats du concours? Il y avait 2 FXT DVR à gagner. Alors oui, je suis né. Je suis bien né, en effet. C'était le 16 mai 1939, 12. mais ce qui nous intéressait, c'était l'heure à laquelle je suis né dans ce fameux concours pour gagner les 2 FXT. Eh bien écoutez, je suis né à 23h35, voilà, un peu avant minuit, mais donc le 16 mai. J'ai 2 gagnants, un qui m'a donné 23h et l'autre qui m'a donné 23h25 ou 28 je crois. Donc les 2 gagnants pour les FXT DVR sont The Messi 57000 qui m'a donné 23h comme heure. Et le deuxième, c'est Jérôme M qui m'a donné 23h28, alors que je suis né à 23h35. T'es pas tombé loin, gros. Donc, Messi et Jérôme M, vous avez gagné tous les deux un FXT DVR. On se retrouve dans les commentaires pour se retrouver en privé, de façon à ce que vous me donniez vos coordonnées. Donc bravo les amis, les 2 petits DVR sont gagnés. Je peux les ranger pour l'instant. Pendant qu'on parle de concours, restez connectés parce que dans pas longtemps, il va y avoir encore des concours et des jolis petits concours. Vous allez voir, amateurs de FPV et de racers, je resterai pas trop loin. Bref, vous pouvez avoir une activité normale en attendant, mais le mercredi midi et le samedi midi, vous êtes là. Alors avec ce X220H, on a donc 2 jeux d'hélice, et c'est pas n'importe quoi, c'est du dalle propre, voilà, c'est pas de l'hélice à 2,50 francs, c'est de la Cyclone 5046, donc plutôt pas mal adapté pour ce type de moteur. Vous allez avoir la petite boulonnerie de rechange, ainsi que 2 petits supports comme ça, 2 petites colonnes, donc une qui va servir à remplacer une des colonnes ici qui est sur le châssis, et une qui va ici pour la protection de la caméra, une colonne un peu plus grande. Vous aurez également ça, mais normalement il est dedans, j'y reviens. Vous aurez 2 petites clés comme ça en carbone pour vous dépanner, ainsi que des petits colliers Colson, des petits Rizlan,
Donc voilà, et bien sûr l'antenne, tout est là, sinon montez directement sur le drone. Donc je vous le décris rapidement. On va commencer par l'extérieur vers l'intérieur. Donc déjà, des bras de 5 mm, super costaud, super rigide, je vous l'ai dit. Un carbone plutôt bien fini, même s'il n'est pas chanfreiné ici, il n'est pas biseauté, mais super beau carbone. Alors, les moteurs, pour moi, c'est le meilleur matos qui est là-dessus. C'est les moteurs, voilà. Ils sont super beaux, ils sont extrêmement bien finis. Et c'est les premiers moteurs que je vois comme ça. Je vais vous le montrer tout de suite. Est-ce que j'ai le bon ? Oui, j'ai le bon. Vous savez, normalement, un moteur, pour le déclocher, pour le démonter, il faut aller attraper un petit circlips en dessous. C'est bien relou, c'est bien chiant. Quand vous perdez le circlips, c'est encore plus chiant. Et bien là, vous avez simplement une vis à retirer. Donc là, je dévisse. Tout bêtement. Voilà, une vis et une rondelle que je vais garder ici, et là, tac, voilà, vous avez démonté le moteur. C'est pas génial ça? Donc déjà, ça permet de voir la qualité du moteur. Donc vous voyez ici la qualité des aimants, c'est vraiment propre, il n'y a rien qui dépasse, c'est nickel. L'aluminium, il est en une seule pièce, il n'y a pas de soudure, donc bien costaud. On n'a juste pas un accent titane. Voilà, c'est pas de l'acier titanium, mais j'ai envie de dire, avec déjà le prix de ces moteurs là qui sont environ à 12 €, je crois, 12-13 €, donc c'est changeable facilement, mais pour 12-13 €, on a vraiment une super bonne qualité. On voit ici les petits roulements, donc c'est du bon roulement qui est là, et une super belle finition au niveau du bobinage. Voilà, c'est vraiment super propre. Donc moi, pour moi, un des meilleurs produits sur ce quad, c'est vraiment les moteurs. Donc des moteurs 2306 en 1650 kV, et voilà, bah, facilement remplaçable si vous tordez une cloche, soit vous changez le moteur, soit vous changez la cloche, et vraiment super simple à changer. Donc là, hop, c'est réinstallé et j'ai plus qu'à remettre ma petite vis, et voilà, moteur réinstallé. Vraiment super petit joujou, j'adore ces petits moteurs. Donc on verra ce que ça donne à l'usure, à la longue. Donc un look un petit peu bus, hein, car hein, tout en longueur comme ça, pas très très haut, donc les cartes sont installées les unes à côté des autres, on n'a que deux l'une sur l'autre. On a ici les ESC 4x 45 A qui montent en pic à 50 A, qui sont normalement prévus pour le 6S. Normalement, mais en tout cas, personnellement, je vous le dis tout de suite, il est vendu pour un 6S, mais rien ne vous oblige. On vous dit pas, si vous achetez ça, achetez une batterie 6S. Donc vous pouvez tourner en 4S et vous pouvez tourner aussi en 5S, sans aucun problème. Moi, ma 5S est une 1350 mAh en 75C, et ben, je peux vous assurer que ça tourne déjà plutôt pas mal. Et moi qui suis pas un habitué de la 6S, j'attends ma batterie. On fera le test bien sûr avec la 6S quand je l'aurai reçu. Moi qui suis pas un habitué de la 6S, je m'éclate en 4 et 5S avec ce drone. Donc pour le prix qu'il vaut, vous allez voir que l'équipement est vraiment terrible, surtout au niveau du nombre d'équipements différents et d'options qu'il propose par rapport à d'autres produits. Pour info, il est vendu dans les 170 €. J'aurai un coupon exceptionnel que m'a donné Mariette. Merci Mariette de Banggood. Donc dans la description, bien sûr, les liens des produits dont je vous parle, et des produits qui peuvent vous intéresser, qui vont aller avec. Mais vous aurez aussi le coupon spécial de 10% pour cet appareil, et ça marchera que pour 10 personnes, les 10 premières personnes qui commanderont, et jusqu'au 31 mars. Voilà. Donc si vous aviez décidé d'investir sur le X220HV, eh ben, utilisez le petit coupon le plus vite possible, parce qu'il n'y en a que 10 qui pourront en profiter. Bref, donc on continue. Les ESC 45 A, on a dit. Juste au-dessus, une petite F4 qui fonctionne en Omnibus F4 SD, qui est en 3.5.2. Donc je n'ai pas fait de mise à jour, c'est largement suffisant comme ça. Et surtout, je n'ai pas voulu modifier les réglages d'origine. Voilà, parce que j'ai fait une calibre des moteurs. Vous savez, en passant les moteurs en multishot, en faisant une calibration dans bêta et en remettant ensuite en D-Shot 600,
Donc j'ai calibré mes moteurs et j'ai fait un changement seulement, mais pas dans Betaflight, dans BLLi Configurator. J'ai simplement changé la valeur du Startup Power. Donc ça, je vous le mettrai à la fin de la vidéo, mon Betaflight et ce changement sur BLLi Configurator. Le Startup Power qui était à 0.50, je l'ai passé à 0.125. C'est une des vidéos que j'ai vues sur un Allemand qui lui a résolu son problème de dead roll pour ça. Donc moi j'ai fait mon test en premier avec mes batteries, tout d'origine, donc 4S et 5S, aucun souci. Et ensuite j'ai fait ce réglage là et maintenant j'attends ma 6S pour voir si j'ai ce problème de dead roll aussi ou pas. Donc petite info, la carte et les ESC sont reliés par des petites barrettes ici. Vous devriez les voir, je vous mettrai une photo si vous ne voyez pas. Donc, y en a qui disent que ça peut être un peu fragile parce que c'est monté sur des vis nylon, tout simplement. Donc à la limite, le seul conseil que je pourrais donner par la suite, c'est surtout ne pas mettre d'anti-vibration ou de silicone, parce qu'il ne faut pas de jeu du tout entre ces deux cartes, plutôt de changer les fixations ici et de mettre de la fixation métallique. Il a suffisamment de puissance pour emmener ça, hein, c'est pas le peu de poids qu'on va rajouter. Donc le conseil que je donnerais, ce serait de fixer ça sur du métallique, ce serait peut-être beaucoup plus judicieux. On a une super petite caméra Foxeer Mini Pro, alors là, génial, franchement, caméra CCD, 650 TVL je crois, mais super résolution. Voilà, vous le verrez dans le DVR, franchement, j'ai rien à dire, c'est propre de chez propre. On peut toujours avoir mieux, mais c'est plus cher. Voilà. Donc les petites sangles Ishin, on peut mettre de la sangle Kevlar par la suite, bien sûr. Si j'en pète une, je changerai les sangles. Il n'y a pas de fourni d'antidérapant. Donc moi, j'ai mis un antidérapant ici. Je mettrai le lien dans la description si j'y pense. Faut que je pense vous mettre ce que j'ai modifié. Et comme vous le voyez, mon câble d'alimentation sort par le devant. Alors qu'à l'origine il sort par l'arrière et pour moi c'est une belle boulette parce que je vous ai dit, j'ai regardé pas mal de vidéos et il y en a plein qui sont pleins, bien sûr, il y en a plein qui se sont pleins de parasites, de choses comme ça. Alors une des premières choses que j'ai faites quand je l'ai reçu, c'est que je l'ai démonté et j'ai retiré tout ce qui pouvait être source de parasites à mon avis. Et aux surprises, quand je l'ai allumé et quand j'ai fait mes vols, c'était propre. Voilà, j'ai pas de ligne sur l'écran, j'ai quelque chose de vraiment nickel. Donc je suis super content et ça n'enlève rien au drone. Donc la petite antenne, on peut en parler tout de suite, c'est une antenne style TBS un petit peu. Petite astuce, quand je l'ai reçue, je l'ai vissée à fond et elle bougeait, elle tournait dans le vide, pas la fixation, mais l'antenne dans la fixation. Donc la seule chose à faire, c'est simple, c'est de resserrer le petit écrou ici qui tient la prise. Donc petite pince, vous resserrez l'écrou, c'est assez souple puisque c'est du TPU là, c'est ici, c'est un montage imprimé. Vous serrez un petit peu, ce qui fait que vous allez obtenir un peu plus de garde sur la prise, et là en serrant, eh bien ça tient, il n'y a pas de souci. Il faudra juste penser à le faire, ne laissez pas votre antenne tourner sur elle-même. Mon récepteur, moi, c'est un FLi 14 Plus, donc deux antennes, et j'ai mis des petits tubes rigides, puisqu'on a les emplacements pour sortir l'antenne ici. Bonne réception aussi, aucun souci à ce niveau-là. Les câbles sont plutôt pas mal, attention juste à ce que ici ça ne remonte pas près du moteur et que ça n'aille pas toucher le moteur. Moi, j'ai bien regardé, c'est bien rigide, ça bouge pas, j'ai bien un petit jour entre les câbles et le moteur. Donc pas de souci, vérifiez bien que ça ne vienne pas toucher la cloche, tout simplement. Ça va pas abîmer, mais ça peut gêner un petit peu. Ah si, je vous parle d'un petit défaut, je trouve. Donc les bras sont démontables, bien sûr, mais il y a un petit défaut pour moi, c'est, vous voyez, la fixation des bras ici. Donc on a une vis qui est accessible là, on a une vis ici également pour la stack, et on a quatre petites vis boulons écrous qui sont juste en dessous, mais comme vous le voyez, les boulons sont au-dessus et les écrous sont en dessous, ce qui fait que si vous voulez défaire le bras, vous allez tirer l'écrou, mais vous pourrez pas sortir le boulon à cause des ESC qui sont là.
Donc, petite chose que j'aurais fait moi pour modifier, c'est soit qu'il y ait sur le dessus de la carte des écrous fixes, bien sûr, pour pouvoir visser dedans, soit vous retournez ces boulons écrous, vous mettez les boulons en dessous et les écrous au-dessus, et là, ce sera plus facile de venir dévisser en maintenant le petit boulon avec une petite pince ou pince à épiler, hop, juste pour dévisser, et ensuite réinstaller le petit boulon, le petit écrou, et venir le chercher. Voilà, ce sera pas évident non plus, mais ce sera un peu plus facile quand même. L'idéal, ça aurait vraiment été des boulons fixes sur le dessus, des écrous fixes, pardon, sur le dessus. Parce que ça, c'est un peu chiant. J'ai pas cassé de bras, on verra si je casse un bras, comment faut faire. Donc on voit aussi le petit accessoire fourni pour la GoPro, donc nickel pour la Runcam 3S et pour la Hero Session 5, bien sûr. Donc moi j'ai rajouté une petite sangle ici pour maintenir ma caméra dedans. Et sinon, la petite astuce que je vous conseille, c'est soit vous mettez des riselants, soit vous mettez directement une sangle, comme ça, qui va venir attraper, regardez, je vais l'enlever directement. Hop, voilà, qui va venir attraper le support en mettant, parce que vous le voyez, même sans la sangle, ça tient toujours. Moi, j'ai fixé un double face, un bon double face 3M, et pour assurer le tout, une sangle par le dessus, qui fait le tour complet ici du drone. Donc voilà, c'est ma petite astuce à moi, vous faites comme vous voulez, si vous voulez mettre des riselants, vous pouvez. Moi, je trouve que ça fait plus propre comme ça. Allez, je démonte et on y retourne. Donc, je vais dévisser les 8 vis qui sont là, vous voyez, on peut, en tordant, hop, on peut avoir accès. Je démonte les 8 vis et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, les 8 vis sont retirées, allons-y. Donc je vais juste maintenir ici le support caméra pour retirer juste la plate supérieure. Et là, je vais, hop, passer mon câble pour pouvoir le sortir. Alors, pourquoi mon câble est là? Eh bien écoutez, tout simplement parce que à la base, donc bien sûr, il est branché sur les ESC, ici, entre les deux cartes, et il part sur l'arrière, il passe en dessous le VTX pour ressortir ici à l'arrière. Et pour moi, un câble comme ça, qui fait sur toute la longueur et qui passe près du VTX, c'est forcément pas très très bon pour éviter les parasites. Et même qui passe juste à côté du récepteur, j'ai préféré le mettre ailleurs. Donc la solution que j'ai choisie moi, c'est donc de le passer sur la gauche directement ici pour ressortir entre les deux cartes. Seule chose à laquelle il faut que je fasse attention, c'est que quand je le passe dans ma top plate ici, on a un trou pile poil pour ça. Vous voyez le trou qui est là. Quand je passe dans la top plate et que je referme, juste faire attention à ce qu'il soit sur le côté ici et qui ne viennent pas taper sur le branchement qui est là pour éviter de forcer dessus, c'est tout. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Une fois que c'est fixé, ça bouge plus. Donc on voit cette petite Foxeer qui est là, petite, belle petite Foxeer. L'appareil, petit défaut, j'avais un branchement 3 fils simplement, donc l'alimentation, le noir et la vidéo, mais il y avait l'OSD de la caméra. Alors comment on change l'OSD de la caméra si on n'a pas la télécommande et les câbles qui vont dessus? Voilà, donc chose que je vous recommande, à moins que j'ai une autre solution et que je ne l'ai pas trouvée, c'est de commander, si vous n'avez pas de caméra Foxeer, cette petite télécommande ici, justement, qui sert à pouvoir modifier les réglages sur la Foxeer. Bien sûr, c'est vendu avec le câble où vous pouvez brancher la télécommande, donc je vous mettrai le lien dans la description. Je pense qu'il y a ça en spare, ça doit pas coûter grand chose, mais je trouve ça débile qu'ils aient pas mis le branchement adéquat avec cette caméra pour pouvoir modifier les paramètres de la caméra. On peut pas tout faire par le smart audio. Donc oui, il y a le smart audio, bien sûr, pour pouvoir aller modifier les canaux, les bandes VTX, les PIDs, etc., la puissance du VTX. Le VTX, c'est un 40 canaux qui fait 25, 200 et 600 milliwatts avec une prise MMCX. Et sous ce VTX, on a une autre plaque ici. Alors, plaque super sympa. Vous vous souvenez du V-Fly Finder, le petit buzzer autonome que j'ai mis sur quelques-uns de mes drones? Et bien là, vous avez un buzzer ici avec une petite batterie pour que le buzzer soit autonome, avec un flash lumineux, un LED qui est juste là, et à côté, le petit bouton très facilement accessible, et c'est un buzzer autonome directement installé sur le drone. Donc ça, je trouve ça vraiment génial. On peut tout de suite faire un petit test si vous voulez. Vous allez voir comment ça fonctionne. Regardez, je branche mon drone. Alors déjà, c'est un gueulard comme le V-Fly, il gueule vraiment fort. Donc là, je l'ai alimenté, et maintenant, dès que je vais débrancher, tac, ici, regardez,
on a ce petit LED qui va flasher pendant environ 30 secondes, et au bout de 30 secondes, ça va se mettre à biper. Et ce que je trouve sympa sur ce truc, par rapport au V-Fly Finder, c'est qu'on devait maintenir le bouton pendant 3-4 secondes pour désamorcer. Hop là. Là, j'ai juste à appuyer une fois, simplement. Donc pendant que ça flash, vous n'êtes pas obligé d'attendre que ça bipe, pendant que ça flash, dès que vous débranchez votre batterie, clic, vous appuyez, et c'est remis à zéro. Ça, je trouve ça super intelligent. Merci Ishin, franchement, c'est fort. Bref, encore une autre qualité. Je vous ai dit, les moteurs sont bons. Le VTX, c'est bon. La carte de vol et le SC, pour moi, ils sont bons. Puisque j'ai pas encore testé en 6S. Donc cette petite plaque, super intelligent. Toujours pour à peu près 160 euros. Un peu moins si vous utilisez mon coupon. Donc on a vraiment quelque chose de correct. Moi je vais pas le descendre, même s'il fait un dead roll en 6S. Je vais vous dire franchement, je m'en bats les steaks. Je l'utiliserai pas en 6S et puis c'est tout. D'accord, c'est navrant, il est donné pour du 6S. Donc oui, je vais baisser la note si jamais il me fait des dead rolls. Par contre, s'il m'en fait pas, franchement, note haute de chez haute pour ce petit matos-là, niveau rapport qualité-prix, il n'y a pas de souci. Mais à titre personnel, même s'il me fait des dead rolls en 6S, je vous dis, je m'en carre. Voilà, moi je tournerai en 4S et en 5S, j'en ai qu'une, mais j'en commanderai d'autres, parce qu'en même en 5S, il déchire. Franchement, il est loqué, il vole bien. On refera une vidéo, bien sûr, où on ira voler ensemble. Mais vous allez voir, c'est vraiment un engin qui marche bien, encore une fois, pour le prix. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur ce drone? Encore en option. Donc là, moi, on voit mon petit FLI 14 Plus que j'ai mis entre le VTX et ce fameux buzzer. Mais normalement, entre les deux, vous avez ça. Et ça, c'est quoi? C'est le SpeedyB Bluetooth. Voilà, vous avez ce petit engin qui est ici, entre les deux, à l'intérieur. Et c'est un SpeedyB intégré. Voilà. Donc non seulement il a le buzzer autonome, mais en plus, il a le SpeedyB Bluetooth intégré, relié avec ce petit câble-là, ici. Donc, personnellement, je l'ai retiré. Pourquoi ? Justement, encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un Bluetooth, donc ça émet des ondes. Donc pour moi, tout ce qui émet des ondes à côté d'un VTX ou à côté d'un récepteur, c'est pas forcément très bon. Donc par contre, bravo pour le SpeedyB. Je mettrai une fiche. Vous pouvez cliquer, pour ceux qui connaissent pas le SpeedyB, ça permet tout simplement d'avoir le Betaflight sur son téléphone, sur son smartphone ou sur sa tablette, directement sur le lieu de vol. On branchait le SpeedyB, il fallait l'alimenter, mais vous le branchiez dans l'USB et ça fonctionnait. Là, il est directement incorporé. Vous allumez votre drone, vous allez sur SpeedyB l'application et vous pouvez faire vos réglages Betaflight directement sur le terrain. C'est génial. Donc, moi je le retire simplement pour voler. Mais je l'emmène sur le lieu de vol parce que j'ai laissé mon petit câble ici apparent, et si j'ai besoin de faire un changement, je ressortirai mon petit câble et j'aurai juste à le connecter. Tout bêtement, voilà, et là pas besoin d'alimentation supplémentaire, vous le connectez, vous faites vos réglages et vous le retirez. On va pas faire des réglages à chaque sortie, donc c'est pas la peine de le laisser brancher en constant pour utiliser de l'énergie et surtout pour créer des ondes. Donc voilà, le petit SpeedyB Bluetooth, génial, mais pas à demeure, personnellement. Voilà, c'est mon avis. Donc voilà pour ce petit engin, franchement super belle finition, on voit que les produits sont de qualité, c'est pas le haut de gamme de chez haut de gamme, on le sait, sinon on le payerait 350 euros, le prix d'un racer de cette génération là généralement, mais on voit que les éléments sont vraiment bien montés, c'est propre. Donc je vous dis, voilà, les changements à apporter là-dessus, si on veut perdurer dans le temps, c'est le montage de la stack ici, à mettre un montage en métallique. Et puis pour anticiper, changer les écrous et boulons ici, les inverser en fait, avoir les écrous au-dessus, sous le SC et le boulon par en dessous. Ce serait pour moi plus simple, même si ça reste un petit peu yanche à démonter. Sinon, pas beaucoup d'autres modifications. J'aime beaucoup ce petit support ici, ce renfort caméra qui est là. C'est plutôt sympa. Autre chose de très sympa, les petits tampons qui sont livrés, les pads d'atterrissage ici, écoutez, ils sont découpés pile poil à la taille du bras. Je trouve ça excellent. Donc pour ceux qui veulent les préserver un peu, pas hésiter à mettre soit un tour de scotch d'électricien autour
soit autre chose, mais pour moi qui fais attention, qui ne vais pas faire du drift sur le sol, ça me suffit comme ça. Mais bravo à Ishin d'avoir mis les petits tampons adéquats, coupés pile poil à la bonne taille. Donc sinon, un châssis bien sympa, on a ici accès, donc vous voyez ce que je vous disais, je vais attraper ma petite pince à épiler, hop, vous voyez, on a donc ici le petit câble pour régler la caméra, donc celui dont je vous parlais tout à l'heure. Et on a toute la place pour ranger les câbles, que ce soit le Bluetooth qu'on peut laisser ici sur le côté, de façon à pouvoir y avoir accès une fois remonté. Mais donc, ouais, voilà, beau petit montage. Donc tout ça pour dire que moi perso, j'aime beaucoup, super agréable à piloter. Franchement, j'ai pris mon pied encore une fois, mais je vous dis, ouais, bien loqué avec les pits d'origine, j'ai rien changé. Habituellement, j'augmente mes rates, mais là, j'ai pas osé, comme il y avait soi-disant des problèmes de dead roll, etc. Je n'ai même pas touché aux rates, j'ai laissé d'origine, vous le verrez dans le bêta à la fin de la vidéo. Donc ouais, j'ai que du bien à dire sur ce petit engin, pas de gros défauts à part entière. Une fois que vous avez fait les petits réglages dont je vous ai parlé pour l'antenne ou ce genre de choses, il n'y a pas de gros défauts. Toutes les pièces détachées sont disponibles, toutes les pièces du châssis, pièce par pièce pratiquement, moteur, etc. Vous pouvez tout trouver, forcément pas cher, ça reste du Ishin. Donc ouais, pour débuter, franchement, bon petit quad quoi. Pour ceux qui veulent un truc BNF tout prêt, bien costaud, avec des moteurs qui fonctionnent bien, qui sont bien finis et qui consomment pas énormément, avec une 4S j'ai eu plus de 4 minutes d'autonomie en 1500 mAh, et encore j'ai fait un peu le cacou, mais c'est un super quad d'initiation, au même titre que le X220S qui était sorti. Donc là on est un cran au-dessus, avec des options un cran au-dessus, ne serait-ce que le buzzer autonome, c'est génial, vous perdrez pas votre appareil quoi, sauf s'il tombe dans le lac il faut un airbag en plus, mais voilà, au niveau rapport qualité-prix, finition, option, chapeau Ishin, je peux pas dire moins que ça. Donc voilà, je vous laisse avec des images de la Hero Session 5 et puis tout à la fin de la vidéo, bien sûr, mon Betaflight avec les petites modifs que j'ai apportées, la petite modif que j'ai apportée sur le BLLi Configurator. Voilà, en ce qui concerne ma première revue, parce qu'on en refera une autre, on ira voler avec, vous verrez le vol à vue et le FPV, on fera une autre revue là-dessus. Et comme je vous ai dit, encore plein de concours à venir et des jolis cadeaux. Hobbymate, ça vous dit quelque chose? Allez, restez connectés, parce que ceux qui aiment le racer vont être gâtés, je vous l'assure. Donc voilà les amis, moi il me reste plus qu'à vous dire là-dessus, surtout, portez-vous bien. Ishin, continuez à bosser comme ça, parce que plus ça va, plus vous êtes bien classé. Et puis, sinon, portez-vous bien, et à très bientôt dans les vidéos. Allez, ciao ciao!
on me, looks so weak.